Now I would like to invite to the stage Sébastien Bertrand, who's going to read from Claude Guillemin's nominated work, Comment dit ça, t'es mort en anglais, published by Les Éditions Interlines. Sébastien Bertrand acts and writes for the stage and for the screen in both French and English, notably for the Théâtre Français de Toronto, Canadian stages, CBC, TFO, and TV Ontario. He's delighted to be able to be here for Claude, and he's known him since moving to Toronto 13 years ago, and he's even acted in Claude's play La Passagère from his Toronto-based theatre company, La Tangente. Récit d'une impasse entre un père et son fils, bouleversant malgré sa brièveté, y prend nos tripes. Une mise à nu effrayante, une mise à nu de l'âme, sans pudeur, mais qui révèle un abîme de chagrin et d'émotion. Sébastien. Incidentally, Claude couldn't be here tonight because he's a very busy man. Tonight's a dress rehearsal for a play that he wrote and that he's also directing, so it's my pleasure to be here on his behalf. Pas de chance. Il lui prend la main. Il l'entend toujours respirer, mais à peine. À chaque respiration, il pense que c'est la dernière, mais après quelques secondes, il en entend une autre. Le son qui sort de la bouche ouverte est de plus en plus doux. La respiration moins profonde à chaque fois. Il lui tient la main. Le bout de ses doigts est déjà froid. Il était arrivé à l'hôpital passé 10 heures l'avant-veille avec la mère. Les corridors étaient vides. La plupart des patients dormaient. Il a trouvé le poste des infirmières et une jeune préposée aux malades les a amenés à la chambre. Le temps s'arrête dans des moments pareils. Du corridor, il l'entendait respirer. Un son ténébreux. Il ne l'avait pas vu depuis 1 an et ce qu'il a vu en entrant dans la chambre l'a jeté à terre. Il s'attendait à le voir affaibli, mais là, les cheveux longs, la barbe épaisse, les joues creuses, les paupières lourdes à moitié fermées, le Christ agonisant sur sa croix. La mère regarde un instant, puis, les yeux pleins de larmes, elle se tourne vers lui. Rien à dire. Pas nécessaire. Le frère avait fait du progrès dans la dernière année. Le frère avait renoué avec ses filles, comme si quelqu'un lui avait dit de mettre sa vie en ordre avant qu'il soit trop tard. Près des ascenseurs, il pleure en silence avec la mère. Pas de sanglots. Les larmes coulent sans qu'il se donne la peine de les essuyer. Ni elle ni lui ne s'attendaient à voir le frère souffrir. Le son caverneux qui sortait de la gorge asséchée du frère lui résonne dans la tête, comme si l'âme s'était pris la robe dans la porte en essayant de sortir et n'arrivait pas à se libérer. Encore un souffle, plus faible encore que le dernier, encore plus espacé. De la gorge, le son n'est plus qu'un léger soupir, un doux soupir, presque apaisant, un soupir d'enfant qui s'endort, un dernier soupir. Le dernier. Un moment de paix, un moment d'une telle finalité, un moment comme il n'en avait jamais connu. La couleur se retire du bout des doigts comme une vague se retire d'une plage. Il ne reste que la peau jaunâtre et cireuse, cirrhose alcoolique. Il était certain que la cirrhose était la cause de la dégénérescence, mais le scan avait révélé un cancer généralisé. Le frère s'était battu pour vaincre sa dépendance à l'alcool et mourait maintenant d'un cancer généralisé. Pas de chance. Le frère ne l'aura jamais su. Chanceux. La mère veut tenir le frère dans ses bras. Le sang se retire de la figure à vue d'œil, pas du tout paisible comme dans les films. Les yeux à moitié ouverts, la bouche béante et les lèvres étirées sur les gencives, laissant paraître les dents brunes d'un fumeur de carrière. Un calme se répand autour du lit. La mère flatte le front du frère. Elle le regarde. Rien à dire. Pas nécessaire. Merci.